Bienvenue, merci de nous suivre à travers ce magazine Au-delà de l'actualité. À travers ce numéro, nous allons parler du dossier IGF Gécamines avec l'enquête ou l'invitation de la Cour de compte adressée à l'IGF avec cette grande question. Est-ce que la Cour de compte devra auditionner l'inspection générale de finances ou l'inspecteur général chef service des finances, Jules Alinghetti? Nous allons parler de cette affaire avec notre invité dans ce numéro. Il s'agit de M. Ludovic Milambo. Il est communicateur privé du chef de l'État. Nous allons également aborder d'autres sujets d'actualité, notamment l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Aussi, la grande question sur la révision ou pas de la Constitution. Monsieur Ludovic Milambo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Je suis tellement honoré de me retrouver dans ces beaux cadres, dans ces beaux plateaux. J'en profite pour vous saluer les DG de cette grande chaîne, saluer toute l'équipe de la technique, mais aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à la maison et les internautes qui auront, n'est-ce pas, ces images au niveau de YouTube. Alors, je rappelle que l'émission sera bilingue. Nous allons parler en français et puis en lingala pour permettre à toutes les couches de la population de nous suivre correctement. Donc, tout ce que l'on a fait, c'est que nous avons fait un dossier à IGF Issa les Mingien, M. Ludovic Milambo, IGF Gécamines, une mission de contrôle et à IGF Gécamines qui s'est transformée en mission de formation, chose qui a très mal sonné, d'où qui arrivait d'ailleurs l'attention de la Cour de compte. Voilà. Alors, comment est-ce que ou quelle analyse vous faites de cette affaire IGF Gécamines et puis la Cour de compte qui devra auditionner l'inspecteur général de finances? Merci beaucoup, Madame Joselle, pour la question que vous nous posez. Ça fait beaucoup d'années, ça fait plusieurs moments, plusieurs temps, que l'IGF fait l'objet de plusieurs attaques de ses détracteurs. Vous savez comment l'IGF s'est donné à fond pour pouvoir aider ces pays à pouvoir avoir les fonds nécessaires. Ça a commencé avec le PST, ça a commencé avec le portefeuille. Aujourd'hui, l'IGF s'est engagé dans un dossier au niveau du ministère de Finances, un dossier qui est lié sur le forage et les lampadaires, et ce qui a fait en sorte que plusieurs de ses détracteurs, même l'ancien ministre des Sports, qui a payé, plutôt de Finances, qui a payé les communicateurs dans les réseaux sociaux, les communicateurs par-ci par-là pour s'attaquer à l'IGF. Et nous sommes en train de dire que, et l'eau comme moi, Yamabe et Kokoé, la IGFT. Par rapport à. S'attaquer, oui, M. Ludovic, ils sont d'abord là, mais les faits sont réels. Non, c'était une mission de contrôle. Non, avant d'y arriver dans cette mission de contrôle, quand je dis de s'attaquer, on a qui dossier, il y a Balampadeur, ouais, puis Maïs Chubang ou un certain, communicateur, il y a Nicolas Kazadi, ou il y a Bangonde, il y a Kanaba DTO, au niveau, il y a Finance pour la Futarabamba, à connivence avec Florie Mapamboli, ou il y a Baby Sali vraiment aux alliés ministères de Finances, mais aussi, il y a Mosolo, l'État d'une manière, il y a Dorondi, il y a un côté, il y a Forage, il y a Sengela qui est Salaman Katamboka, mais il n'y a jamais que Salaman. Ou puis, il y a Forage Moko, Tarsan, on a plus de 300 000 dollars ou 298 000 dollars. C'est quelque chose qui est inacceptable. Alors, nous comme ça, IGF à Salaki, non, mon équipe a changé qui Nicolas Kazadi. Alors, Mike Chubang en connivence avec Florie Mapamboli et quelques communicateurs, mais aussi avec leur chef Nicolas Kazadi. Bake Koko, sa dossier Moko, que Bakenari End, Kosolana, groupe Moro et Aradjou, pour dire que Jules Alinghe était allié Bambongo, Jules Alinghe a signé le contrat Moro et Amabe, à Kosi République, or que Bake Koko a enregistré le dossier, on a sauvé Bendien Moro Nanzela. On a Rotana, on a enregistré le dossier et puis on a eu Koko Sabiso qui est là. Attendez, nous avons dit que l'IGF a mené une enquête, on a fait un forage dans le forage de la lampadaire. Des que Nicolas Kazadindi a sali, a fomenté ma campagne pour la dernière image. Il a monté, il a monté. Il a monté, il a monté. Il a monté, il a monté. Non, si c'est le Makambouya, au moins même Makambouya, j'ai Camille, au moins que Nassima Nayango, et ça, on a un communicateur, il y a Nicolas Kazadi, Maïs Chubango. On va aller aider chef de l'État, on va aller au Sumo Konzambo, on va aller responsable de DTO et Bélé et Bélé, on va aller à l'État, on va aller à l'État. Alors, l'IGF, on va aller à la contrôle.
Est-ce que le l'État ou Bimaki, est-ce que le fait que l'UGF s'est donné à ce travail, le UGF a comme Moutoumabe, le fait que Mokonda Mboka n'a pouvoir naïe discrétionnel à l'ombre du ministre ou à Dieu Moussou, donc ceux qui n'ont pas l'ombre, ils allaient l'icône à l'UGF. Oh, UGF Moussa, ils allaient l'Andelaï. Il faut que l'on ait. Alors, Jules Alingeti est devenu l'homme à abattre pour plusieurs de ses détracteurs. Parlons un peu de ce dossier-là de la GKMN, madame. Je me réjouis. Les faits sont là, je ne refuse pas, je n'en disconviens pas, madame. Il s'est fait qu'il y a eu un contrôle. Parce que l'UGF a fait un contrôle à trois temps. Il y a le premier temps, on appelle le contrôle a priori, le contrôle concomitant, et aussi le contrôle a posteriori. Donc, c'est-à-dire que non, contrôle au UGF a quelqu'un qui a un niveau, il y a GKMN. Parce que la GKMN est une société minière aux alibos qui n'est pas faillite. Alors, il fallait d'abord penser aussi à notre personnel. Parce qu'on avait compris qu'il n'y avait pas vraiment assez de l'efficacité de maillot les biens na hôtel ba personnel na ba gestion hôtel ba passation des marchés publics. Alors la GKMN. Effectivement. Alors la GKMN, parce que j'ai un document ici dont c'est le DG de la GKMN, monsieur Placé, qui sollicite, parce qu'il y avait déjà une équipe au niveau de la GKMN où il y a UGF Nekosala Moussala, mais à Monique Batona Nekosala Moussala Malamu, il a sollicité en écrivant une lettre auprès de l'inspecteur général de finances Jules Alingeti pour solliciter une formation de renforcement des capacités de ses agents. Ils appellent rôle, il y a l'inspection générale. J'aimerais dire ceci. C'est aussi le rôle de l'UGF. Madame, l'UGF, un inspecteur n'est pas seulement un contrôleur. Un inspecteur peut aussi devenir un formateur. Okay. Ça veut dire quoi? Quand nous partons d'un contrôle a priori. Le contrôle a priori, c'est pour aider d'abord les gestionnaires. Il y a Moussa Zali Moussa, par rapport, il y a des caissements au fond, il y a cela qui orienter le lingani à tout travailler pour na tout quoi la macamama détournement. Et ce n'est que l'IGF a zagawana a constaté aux alibi détournement. Mais l'IGF peut accorder la Moussa là, il y a quoi anticiper, quoi tenir les bons sous, quoi savoir que non, au moins le Moussa là est sérieux. Ceux qui ont vu Moussa là, ça est là le lingani est sérieux. Mais quand j'ai commis le bique, mais avant ça la Moussa là, on a monné que n'a pas moi ma problème, quoi qu'on soit, il y a ma personnel n'a pas zali vraiment maillé les têtes, on a ma capacité na otali. Passation des marchés publics. Alors, ils appellent la prérogative. Et moi, que, na kationa, il n'y avait rien à voir, na contrôle, oh, ba inspecteur, il y a eu un peu de ça. Mais quand tu as sollicité, que j'ai commis dans le biboué, na moussala wana ngai moko j'ai commis, na kofu tabango, $150,000. Ça, c'est la demande de la GKMN. Un arrangement que la GKMN a eu avec l'IGF. Ouais, go boy a été. Mais l'IGF s'est dit que non, ce qui n'est pas reformé, batou, et que Olivier Foutangai. Parce que l'IGF a quitté une information au bas de ça là, au bas de ça pèse. Il y a un moment l'IGF a lancé sur le bon qu'on a à côté de la Libéna. Faut tabac, ben inspecteur, est-ce qu'il y a des générateurs, il y a finance, il y a bon. Alors, j'ai mis là, jugé bon de pouvoir payer les agents, les inspecteurs par rapport à la formation, il y a mon nom toujours. Plus de 150. Sans rien penser, sans arrière. Sans rien penser, madame. Il y a corruption. Il n'y a pas eu détournement. Il n'y a pas eu détournement. Les gens peuvent parler d'une mauvaise gestion, mais il n'y a pas eu détournement. Parce qu'il y a eu 105 agents pour 8 inspecteurs qui ont donné la formation à ces agents-là. Chose qui est normale, le Bolinga, que j'ai quand même à foutre un inspecteur, il y a Libanda, ben expatrié, bon, de Libanda pour foutre 300 000, pour 1 million de dollars. Est-ce que Batoubanga n'est pas CP là? Le fait que j'ai quand même un consolana IGF a sollicité, et puis j'ai la lingueté, ma mariée de Naïe, a salipé ordre de mission, ou vous allez comment on a, pour la. Il n'y a rien de mal en ça. Le locaux de compte à Bengisi, IGF, pour qu'il faut répondre au dossier. Mais ce qui me touche, c'est quoi, Mme Josel? Le procureur général près de la Cour de compte n'a pas qualité ni pouvoir à pouvoir inviter, pardonnez-moi pour la tautologie, il y a invité IGF sans pour autant recevoir les instructions, il y a premier président, il y a Cour de compte. Ce qui est l'inverse. La lettre que vous avez vue dans les réseaux sociaux, regardez d'abord, une lettre dont la Cour des comptes qui est appelée à travailler en connivence, en synergie avec l'UGF, c'est la Cour des comptes qui écrit une lettre. Et la lettre dont je vais vous informer ici, la lettre avant que Ebi Manaka dans les réseaux sociaux, il y avait un certain Flori Mapamboli de Nicolas Kazaï, déjà à la salle communiquée, on a avant même Cour des comptes à sa communiquée, on a. Vous voyez un peu qu'il y a eu déjà un problème. Déjà un souci, que le PG s'est retrouvé dans un problème. Pourquoi? Le PG, au lieu d'informer le premier président, parce que le premier président a comme une mission, a comme plutôt attribution de pouvoir engager une mission
une enquête et une investigation au moment où il y a un problème ou un souci de gestion ou un détournement de Makambo Etali Moussolo. Parce que la Cour des comptes est une juridiction financière. La Cour des comptes ne peut pas lancer un mandat d'amener. La Cour des comptes ne peut pas arrêter. Il n'y a pas une peine, il y a prison à la Cour des comptes. Lorsqu'il y a un problème de gestion, la Cour des comptes, comme punition, comme punition après ça, le gestionnaire, soit a eu un tiers à salaire, soit moitié à salaire, soit totalité à salaire. Mais ce qui est détournement, la Cour des comptes prend le dossier, il saisit des instances compétentes. Parce qu'il n'y a pas eu de détournement ici. Or, permettez-moi, madame. Donc la procédure est biaisée. Est biaisée pourquoi? Parce que quand vous prenez l'article 179 de la Constitution, cela dispose quoi? Que la composition, l'organisation ainsi que le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique. Et dans cette loi organique, cela ne donne pas directement le pouvoir au PG près de la Cour des comptes de pouvoir inviter l'UGF. Il a fallu au premier président de la Cour des comptes de mener les missions et l'investigation. C'est alors qu'il allait écrire au PG près de la Cour des comptes. Maintenant, lui, à son tour, il allait ouvrir les dossiers contre les incriminés. Chose qui n'a pas été faite. C'est pourquoi j'ai dit, l'UGF ne peut pas répondre à cette invitation. Donc comme la procédure est biaisée. La procédure est biaisée, nous ne pouvons pas aller à une invitation. Et on a compris que le fait que le PG a manifesté intelligence, c'est parce que l'article 178 de l'Obinini, qu'un membre de la Cour des comptes doit justifier une haute qualification, n'est-ce pas, en matière financière, en matière juridique ou en matière administrative, mais aussi, il devait manifester aussi ou justifier une expérience professionnelle depuis les 10 ans. Le fait qu'il a biaisé la procédure, ça prouve qu'il n'est pas assez calé dans la matière. C'est pour cela que nous, en tant que communicateurs, nous, en tant que population, et ça, la bateau, ça dit que Télémé, la Mokonza Mboka, nous sollicitons la révocation ou la démission illico du PG près de la Cour des comptes, parce que nous, on a calé si Maël était la Moussa, la Moussa, la Tomonique, corruption et faille n'a pas aussi naïe. Et qu'on peut quota. Donc, parce que prérogative, il y a révocation. L'article 178, et où tu parles Mokonza Mboka, après avis de l'Assemblée nationale, à l'Ukamoué, pour révoquer président au PG à Cour de compte, n'a a biaisé Moussala ou Fangasala. Alors, tu sengi na bateau, tu as la confiance na IGF. IGF a eu ba mongote, Jules Lingete a eu la mongote. Jules Lingete, depuis à côté de Katia Makamouya, IGF, parce que l'IGF a toujours été existant, donc et ça a toujours, mais le fait que Mathieu Jules Lingette, pour mon changement, le président de la République par rapport à Bilan Naye, bon mon qui combien de fois il a félicité Jules Lingette, dans mon salaire au Sala. Bon mon te revoir contrat sino congolais, autrement Rambassi Komi, on a gagné plus de 650 millions au reconnaître et tout en abandonné. Bon, moi, le nom FMI a bien compris ce moment au point Nini, nous savons qu'il y a Mongo, il y a RDC et comme nous sommes dans la maison. Il y a nous jetons le fleur sur Jules Lingette et il peut compter toujours sur la population. Jules Lingette n'est pas intouchable. S'il commet une erreur, je dis c'est Roland Delaye parce qu'il est aussi justiciable. Mais tant que ma dossier n'a plus de dans le cadre, il y a beaucoup essayé. Il y a qu'on nous a montré à Jules Lingette. Il y a qu'on a déstabilisé l'inspecteur. On a nommé par le chef de l'État. Pour la Moussa Mongo Songolon Pakala, Toti Kamouté Mamabe, la signe Nicolas Kazadi, yo qui n'a qui poto. On va y te balampade reza. Ton tout en bataille à l'hôpital ni en France ou à Paris, yo qui n'a qui tomoni à Salomon Kalonda, quand elle va y avoir là, à qui n'a qui n'a poto à Paris, tomoni quand même dans l'hôpital. Mais Nicolas Kazadi, depuis à qui n'a hôpital, tomoni à ta image mon côté, tomoni ta diagnostic mon côté, tomoni ta qui monte au bâtiment, ton ato perfusion mon côté, toni tomoni le côté. Nicolas Kazadi Gozonga, yango to bengi ba maman nyonso, ba papa nyonso, oyo bino ba la cabine ba lampadeur, ba la cabine ba forage. To za ebele na aéroport to ke ne koyamba, Nicolas Kazadi, a yeli biso ba forage outil poto, ba forage outil France ya Fika. Afin que, parce que Mokonza Mboka zanga ki même maloba ko donc ya ko lebela batu na niveau ya ba milieu rural na o tali forage, quelle méchanceté. Donc on dit même mon lien yo moko to li yango. Et puis, le lobby qui a eu le bon mot, il a commencé à dire que la biche a communiqué, il a attaqué l'IGF.
Comment madame? Ludovic Milambo, le roi Lobby qui est IGF Isaacline, IGF expliqué bien pour te comprendre, un peu ma téléspectateur va comprendre vraiment dossier madame ou IGF Gécamine. Mais autre, mon idée que ça serait mieux que l'inspecteur se présente, soit faire voir à qui que l'on a dit non, à ça n'a rien à problème, tu es qui madame Moussika. Madame Uzel, puisque le but est que IGF a été intouchable, je ne suis pas le communicateur de l'IGF. IGF a dit que tant que la procédure est biaisée, si c'est le premier président de la Cour de compte, n'est amené qui aux alliés d'investigation, mission, topé banquette sur les dossiers, c'est alors que le premier président allait instruire au PG près de la Cour de cassation d'ouvrir un dossier contre les incriminés. Mais comme c'est l'inverse, et qu'on n'a pas informé le premier président de la Cour des comptes, que le PG lui-même, quand le chef lui pose la question sur quelle disposition organique aux autres pays, le PG lui répond à l'IGF que il n'y a aucune disposition, des fois je le fais toujours comme ça. Là, ça la regarde bon mot. Donc cela veut dire que c'est quelqu'un qui a mis d'un côté le Melamibeko, il veut être au-dessus de la loi. Alors nous sollicitons, nous demandons la démission ou la révocation illico immédiate de ce PG près de la Cour de compte et c'est là où été juridiction au état de Cour de compte et Kamagaba tout est constaté par les faits Bosali Moussa Nabino. Alors arrêtez pas la Congo, pas la Kine, c'est Bosali. Bon, tu as ma canisse que non, IGF a sali Mbeba, Aliba qui a sali non, IGF a ibité, IGF Nabino, Jira Lingette Nabino, Azama Boko Pembe, Aosala Moussa Nassima, Fachi Beto, Kosuna Mokonza Mboka, Ote Misolo, Nakata Mboka, et Monana. Suite, si vous avez un monde mais la journée bandit aux alikoya suite à ma campagne aux alikoya. Madame, c'est une procédure. Oui. Moi, je ne peux pas fustiger la Cour de compte. C'est notre Cour de compte. C'est une juridiction financière autre c'est Pernambo. Le moyen à la première président de la Cour de compte, c'est qu'il y a un membre à Naïm Soussou. Tu peux savoir le moyen à la première mot. Il y a un petit canaï, le roi IGF a beau écouter. Premier président, c'est un monde. Premier président, c'est un monde qui a refondé la banquette. À ça, ma mission d'investigation. À ça, l'ayango. À ce moment-là, il ne sait pas quoi répondre. Il ne sait pas comment nous douter. Il a failli bien, il n'y a pas eu détournement. Il a failli à répondre à ma question, vous retournez à cause de mon parce que le PG fera office d'un acquisateur. Il y a votre PG, on a tout dit sur le Nayo. PG, tu es bien, et ça n'a pas lié, relation à Nicolas Gazadi. Tu es bien. Ma fournie, il y a déjà ma camboana. Tu es bien, que camarade à Nicolas Gazadi avec camarade Nayo. Tu es bien, et là, on a eu Luka, PG, on a aussi mané Fachi Beton. On a eu Luka, on a déstabilisé. Malheureusement, Fachi a le mal du colo à IGF. J'ai mis ma confiance sur Jules Alinguete. Il y a autre chose qui est au PG. PG démissionné. Si vous voulez qu'on démissionne, arrestation paye à Kanamo. Donc, c'est qu'il y a un intérêt. Bon, nous avons expliqué à faire un intérêt privé, comme qu'au primé, Nicolas, un intérêt privé. Ma conflit personnel. Donc, Nicolas, va bon. Donc, Bassangani, c'est son ligue contre Jules Alinguete. Oh, Bibesa Goloba, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Jules Alinguete a battu na C, il y a ma plume, il y a mon conduit à Mboka, peine à C, il y a une zambe à l'eau, la voix à l'eau, il y a mon salam, sincérité de cœur, à attendre un aïma, à boire au liba, à boire au salam à B. On a bien voulu que nous Jules Alinguete, beaucoup d'années la population en Zéla, de Pekisibino, ce qui veut aussi aller à Malamou, que Alinguete a Ibi, Boya Nango, Bissomogo, de côté de l'Alinguete, mais ce qui veut dire que nous avons le coutant, que c'est la Alinguete Makamou, en tout cas, bon, la population en Zéla, Nabino. Voilà, tu poses la raca suite à dossier en haut, hein? Parce que dossier en haut, tu poses ça, puis là, ma qui est mingi na mboka, alors que mboka, ils appellent ma kamboué belé, social, est, insécurité à l'est, Ludovic Milambo. Il peut placer moi mot par rapport à la sécurité à l'est, parce que tout le monde se focalise quand tu es dans ma dossier IGF, j'ai quand même, alors que ma décolabiso, na est, ma zali koukoufa. Trêve humanitaire, sur demande des États-Unis. Qui se souvient sous Mikolomou sous 15 jours de plus alors que il y a violation, il y a trêve par rebelle 1-23 soutenu par le Rwanda. Analyse numéro ça là, par rapport à cette affaire. Madame, le 1-23 n'existe pas. Les 1-23 n'ont jamais existé. Je vous dis ceci, ce que vous voyez, les gens que vous voyez, les terroristes que vous voyez, et la armée rwandaise n'est pas opérée dans le Katiambo Kanabiso. Madame. Nous sommes victimes à Makamebele parce qu'à cause du régime Mokoboye, le régime ya Kabila, le régime ya Mbisoba Ngambo et le régime ya Mbisoba, le régime Moko ya Mabe, le régime ya Mbisoba Rwandais, le régime ya Mbisoba Biloko, 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 le régime ya Mbisoba Biloko,
Question de l'Est de la République. J'ai compati pour profiter ici avec nos frères de Rutshuru, nos frères de Niragongo, de Masisi. Et si quand vous allez, vous avez dit que le monde a bien totalité. Le président de la République, chef de l'État, le commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'alité na hôtel Maramwa Est. Vous avez vu combien nous avons multiplié la réunion sur la défense nationale, conseil supérieur de la défense, pour côté la Makamouine hôtel Est. Il y a une trêve humanitaire. De notre côté, nous avons respecté la trêve. Mais sauf que le rebelle Kagame et ses supplétifs ba attaquer Soussou, Mbokanabiso, ba lancer Soussou bombe, ont ébomi plus de 50 personnes. Violation. Violation. Et comment se fait-il que les États-Unis, lors du Conseil de sécurité, basali ko loba été, tomoni 4000 hommes armés, ba continue à 4 mabele ya, ya RDC. Bidou Keïta, Akoloba été, bientôt Nord Kivu Kokoya. Vous sentez la complicité qui règne entre les États-Unis, la France, la communauté internationale contre la République du Congo. Il y a eu des élections au niveau du Rwanda, c'est simulacre des élections. Pourquoi les États-Unis, pourquoi la France, battait les militaires Kagame, quatrième fois à la sous-présidente de la République? Pourquoi battait les militaires? Pourquoi battait les militaires Museveni, quatrième fois à la présidente de Uganda? Mais si cette histoire revient en RDC, nous devons refondre la mission. C'est pour vous dire que ces gens-là sont des mèches avec le Rwanda pour s'attaquer à la RDC. Mais il fallait refuser la trêve et aujourd'hui on va prolonger en gros le sous-sous. Nous avons accepté la trêve, pourquoi? Parce que la trêve veut dire s'organiser aussi. L'armée doit s'organiser. Nous devons aller voir nos frères, nos compatriotes. Oh, Bazanaki Maï, Bazanaki Nesiramo, Bepo, Nassanini, Kouravitaï, Bepo. En fait, ça passe dans l'adversaire. Ils ont une trêve, ils ont une trêve. L'armement sophistiqué, c'est ça que je t'appelle dit. Quand on a mis son père, toujours qu'on s'est ravitaillé. Toujours plus à Mindouki. Quand on a mangé plus à Mindouki, il a mis la paix. Mais nous, on a mis Mindouki, on va au bêta kak. Il y a un mot qui est qu'on dénonce que ceux qui ont mis son premier chien, ils ont mis le partout. Partout, aux États-Unis, aux France, bon, on a mis le mot à l'école. Les Congo respectent aux alliés, ils testent au principe Bango. Mais les Rwandais ne respectent pas. C'est pourquoi le président de Tshisekedi a dit, je ne pourrai pas négocier avec le 1-23. Parce que le 1-23 est une coquille vide. Nous pouvons négocier avec le Rwanda parce que les négociations se font entre État et État. Nous ne pouvons pas descendre si bas pour aller négocier avec les terroristes du 1-23. Et même moi, je peux vous jurer, madame, ici, que nous allons gagner cette guerre. Avec le gouvernement, le nouveau gouvernement de madame Judith Suminwa, moi je suis convaincu qu'ils vont aménager aucun effort dans Makamo et Tali Bitumba Oyo. Pour gagner Bitumba Oyo. Rwanda à cause de Sima. Nous n'allons pas céder, même pas une partie, il y a partie à Mouganabiso. Parce qu'avec le président Tshisekedi, lui qui est un don de Dieu, l'envoyé de Jésus-Christ pour nous sauver, nous sommes convaincus qu'il y aura la libération. Nous allons libérer les états, des localités, des chefferies, des villages conquis par le 1-23. Par la guerre. Hein? Par la guerre, bien sûr. Et non, par le dialogue, parce que l'impression, c'est comme si la communauté internationale n'y mais ma mission n'est la guerre. La dialogue. Parce que nous avons opté d'abord pour le premier choix, c'était le choix de la diplomatie. Nous sommes allés pour parler, pour négocier. Il y a eu un accord au niveau de Luanda, vous savez l'accord de Luanda, pour essayer de trouver donc les solutions. Mais le Rwanda joue un sale jeu à notre poignardé du sud Congo. Donc moi je pense que le président de la République, Aloba Kiango, que ce qui m'a continué, que nous n'allons pas hésiter à déclarer la guerre parce que c'est constitutionnel. Nous allons déclarer la guerre parce que nous sommes plus puissants par rapport à l'armée contre le Rwanda. Si seulement c'était le Rwanda seul qui nous combattait, la RDC allait déjà gagner cette guerre. Mais puisque ce n'est pas seulement le Rwanda, puisque la Pologne peut donner la Mindouki dans Rwanda, la France a repris sa Mindouki, l'Union Européenne a dit qu'on finançait Rwanda de plus de 20 millions d'euros par mois, et États-Unis a dit qu'on compte la France, a dit moi n'en aille, parce que États-Unis en France n'est pas voté qui n'a élection à Rwanda. Même la population rwandaise n'a jamais voté. Donc pour vous dire que ce n'est pas une guerre entre Bundabi Somoko, l'armée congolaise est seule contre l'armée ougandaise, contre l'armée rwandaise, contre l'armée française, l'armée polonaise, même l'armée américaine. Nous sommes seuls. Alors face à Ndegetosa seul, Bongo, pour nous restaurer Penda Pena, on a un RDC, solution les années. Moi je pense que la solution c'est la guerre.
La guerre, la guerre est la solution. Oui. Nous allons nous préparer. C'est pourquoi nous vous demandons, population, faites confiance au président Tshisekedi Tshilombo. Faites-lui confiance. S'il faut même te maintenir Tshisekedi dans le pouvoir, te maintenir. Mais mandat est aussi la deuxième. Mais là, il y a M. Boye. Est-ce que mandat est aussi là? Il y a aussi ici mandat. Non, c'est-à-dire qu'il est à son dernier mandat. C'est ce que je suis à dire. N'oubliez pas que dans ce pays, il y a une constitution. Dès que cette constitution elle est mauvaise, une constitution des belligérants, mais sachez qu'il y a une constitution dans ce pays. Et pour que nous puissions amener Tshisekedi encore au-delà de 2028, cela dépend de la population congolaise. Et vous devez le faire. Vous avez opté pour la révision de la constitution. J'opte pour la révision de la constitution. Pourquoi? Si les États-Unis, la France, bah, utilisaient stratégie à maintenir Paul Kagame, parce que bah, ils vont changer Paul Kagame, soit changer Paul Kagame, bah, intérêt d'abord, ils vont la menacer. Alors, M. Ampère, on va te comprendre que ce que dans le monde, tu sais que, parce que nous, dans le monde, il dit que tu sais que la communication de l'homme, on a quoi, à ressentir la soupe à couvert, qui est le monsieur, au moment que l'autre, on va avancer. Puisque le président, tu sais que, il est là comme ici, Kagame, il est là, 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 il va protéger la vie, et là, il est là, il est là, il est là, donc, il faut que nous l'engueulions. Donc, puisque le président, tu sais que, a compris ma stratégie à ma paix à Rwanda, nous pensons que s'il y a une personne prolifique qui peut nous faire ressortir la guerre, qui peut restaurer la paix, pour l'Est de la République, donc je pense que même dans l'article, il y a conscience au article 218, pour qu'il y ait une révision de quelques articles de la Constitution. C'est une initiative concurremment du président de la République, du gouvernement, après conseil de ministres, il y a parlement, mais aussi une fraction de population de 100 000 personnes. Ce que 100 000 personnes, le gouvernement n'a pas signé une pétition pour qu'il y ait un référendum. Moi, je disais, pour qu'il y ait un référendum, tu sais qu'il y a un référendum. Le lingue bah, russe, bah, fan ici Poutine. Le lingue bah, chinois, bah, fan ça président de Bango. Le lingue bah, Bango, bah, n'a pas fan de sa porte de gamme, porte à Gagabiso. Bisso de l'obiboué, congolais. Et ma candidature, c'était constitution et il m'a même ma casse. T'as changé en gros, t'as modifié en gros. T'as pris ce président de la République qui s'est fait du pouvoir. Il y a qu'à travailler. Parce que ma détraqué en aïe. Le long qui fait le bras sous, t'es. Moi, je suis le bras sous, t'es pour l'ini. Bah, j'ai raté 2023, ça n'y est. Bah, dis-moi ça, mais tout. Bah, si on a vu sur la ligne, n'a pas la balle. Mais bon, on va le dire, il fallait le lobby, pas de révision de la constitution. Mais Moussa n'est pas de révision. Mais tout le programme ne touchait pas à la constitution. Touchez pas la constitution, mais c'est Fayoulou. Non, mais moi, est-ce que le lobby n'y casse? Non, mais moi, tu as dit, est-ce que la solution n'est pas en amour? Moi, je vais dire, personne n'a vu cette solution, non, mais moi, est-ce que l'unité? Quand on a ma dit la constitution, ne touchez pas à ma constitution. Oh, il y a le bagage en gros là. Mais bien, pour Bolingui, vous approchez à la présidente Félix Antoine Tshisekedi, qui dit, Bolingui, vous se maintenir pour vous continuer. Qu'on vivre bien alors que le peuple est en train Madame, de Madame Moi, nous avons vivre bien tous nos banques et nous avons fait permettre la félicité. C'est que depuis le mot, nous avons fait sa présence à Moussalata. Pour que nous avons vivre bien, pas naïe. Maïe Nangé, mais Mingan Moussalata, nous avons fait test dans la vie, nous travaillé dans mon entreprise privée. Nous avons dit que nous avons permis à Tshisekedi. On a qu'on a une poche à Tshisekedi. Que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que intérêt à partir de la vie sur l'IDPS. Tout l'intérêt à conseiller, il y a présence. Tout le monde a intérêt, il y a l'union sacrée. Tout le monde a été intérêt, tout le monde a été intérêt général. Pour la bande d'économie, c'est dans l'est de la République. Chers Congolais, Bakinois, Batou Équateur, il y a Maniema, Batou y a Grand Bandoulou, Batou province orientale. Tout le monde a modifié la constitution. Comme le président Tshisekedi a manifesté bonne volonté. Bandaya yé, tout le monde va avancer très significatif. Tout le monde au niveau armé va voter loi sur la programmation militaire. Tout le monde peut m'accompagner, bah il faut tiens au baba y'a la banque militaire. Ça veut dire que tu sais qu'il dit agir mon solo, attirer la carte de défense pour la communauté moyenne pour éradiquer dossier aux alliés à insécurité à l'est de la République. Mais ce que tu sais qu'il dit a commis bité, n'a pas le problème que 2023 au Kenya a qu'on travaille bien tiens. Tout le monde les champs. Tout le monde est là, qui sait qu'il a qu'il a travaillé. Même au-delà de 2028, a pris cette solution. Il y a des millions de Congolais qui sont dans les alliés, qui ont combattu avec Félix Antoine Tshisekedi. Tu sais qu'il a dit. Tu sais. Pour que tout le monde soit là, tu sais qu'il a dit. Tu sais, maman. Il est le seul à diriger dans ce pays. Oui. Mais moi, je veux que nous puissions opter la même stratégie que le Rwanda.
C'est une stratégie. C'est lui qui va venir à quoi sous support nanini, à nouer sous ma relation aux États-Unis, ton à Belgique, ton à France, et puis nous allons faire la redondance. Pour ça, il n'y a pas si haut. Mais comme quelqu'un déjà a tient pas, déjà qu'il y a, petit qu'il y a été né. Vous connaissez qu'il y a la Russie, Poutine, Zara Yomoro, ton à Chine, Aka Yomoro, ton à Rwanda, pour la gamme, tiens, bah, sous ce qui mais pourquoi pas pour programmer pour ne pas continuer à yiba, copier parce qu'il y a un plan copier les bango. Comme il y a un plan copier, Bissoube Fachi, comme il y a un plan copier les bango, tout le monde a travaillé. Mokileza Nzambe. Je rappelle que madame, monsieur Toyambi, monsieur Ludovic Milambo, Azali Bongo, communicateur, allais-je dire, privé du chef de l'État. Monsieur Ludovic Milambo, tout ça vraiment quoi atterrir déjà. Na émission la Bisso au-delà de l'actualité à l'élo, tu abordes qui dossier à IGF na GKMI, tu lui marrant en sécurité à Est, tu côté sous brambe ma constitution, aux olobakers, constitution, il faut changer en gros, parce que Monique Félix n'a pas abordé dossier on est à Est, malam, tu commis na souka penda émission la Bisso, il a abordé, paie-moi crise, na katia parti na bino, UDPS, nungu wana. À toi, madame, je ne suis ni contre ni pour. Au milieu du parce que moi, le problème, c'est l'intérêt, c'est la population congolaise. L'UDP, c'est un parti politique. Bien que c'est un parti politique qui émane de la volonté suprême du peuple congolais, mais on doit comprendre que ce qui se passe n'engage pas les gens qui sont à l'est de la République. Il y a des choses plus importantes, des priorités au Sénat, au Sénat, au Est de la République. Alors, ce qui se passe là, moi, je demanderai. Attaque Congolais, attaque membres du parti aussi, de mettre une opinion à Makambezo Leka, que ceux qui veulent dire Bossara Makambolo ou la Kabouya, Bocha Moutoumsousou, faisons des choses dans le calme. À l'intérieur. Faisons des choses dans le calme et dans le théâtre. Arrêtons, Kolukamouya, Oya Simba, Tokene, Oto Sanini. Parce que pour l'instant, c'est Kabouya qui est le secrétaire général. Non, non, longue été. Donc, cela dit que non, nous devons d'abord, Kolukamouya, Yakota l'intérêt. Il y a le président de la République, il y a un poste qui est mis social, il y a un moka. Mais comme je me suis dit, des autres, il y a des gens qui sont dans ma colo, ils ont un intérêt à la combattant. Et puis, ceux qui ont la barre à ma partie pour l'intérêt à la combattant, la population est en Akanda. Tu as oublié l'objet de l'insurrection, mais il y a un parti politique. D'où, il y a un parti politique. D'où, il y a un interne, il y a un fanda. Il y a un Kabouya, il y a un Eteni, il y a un Jokobeya, il y a un Nani. Tous se retrouvent autour d'une table, tous sont là pour discuter. Ceux qui doivent être dans le congrès, tous qui sont dans le congrès, tous sont là. Parce que Kabou n'est pas éternel. Kabou a fait son temps, soit requitté à que le nom de son remplacé. Mais maintenant, il y a un éternel. Donc, il y a un éternel pour remplacer Kabouya. Donc, il y aura un congrès, nous allons faire un choix, nous tous sommes là. Mais pour l'instant, na sengi na ba combattant, na sengi na secrétaire général, tous ont maillé les Makanis Labiso, tous sont en boca. Tous les chefs de l'État, tout ce qui est ça fait la honte, ça nous aide pas, ça nous recule, et puis, et si connotation ma belle, na parti politique, même Etienne Sika Yazali, Etienne, et ça n'a même pas si ça m'a comme on a eu. En tout cas, na Sengi, tous les gens le peuple d'abord, na motema, pensons d'abord au peuple, c'est eux d'abord, Bangonde, le reste nous verrons après, Bolingo na Bango, Tolinga peuple, Tolinga Bato dans la S, Tolinga chef de l'État, il y a un chef d'État comme qu'on nomme même Bato dans la partie, pourquoi? Parce qu'il y a des désordres. Il y a un désordre total, madame. Ma bibi nous a remis et remis et a raté la secrétaire générale à partir. Car on a mon boulot. Ça veut dire que c'est que dans le document qui nommé président, Kabou n'a rien qui a son gestion. Et ça veut dire que mon boulot. Et mon boulot, madame. Soit congé, vous voyez, bénissez congé. Soit mon qui va vous maintenir, vous maintenir. Soit mon qui vous salue, madame, vous bâtissez. Mais vous avez un congé, soit vous avez un congé, c'est que vous salue, madame. N'a pas de bazar, vous voyez, est-ce que vous avez un cantine? Pour l'intérêt, n'a pas de tout à la carabine. Bon, il est né mon congé en boca. Vous voyez, les peuples d'abord dans la foule. Oui. Vous voyez, on a foule. Donc, vous voyez, on a peuple, peuple congolais. Mais qu'on a ce message au Kouba été, l'UDP c'est votre parti, c'est un parti sérieux, ton Asimanabino. Et nous vous demandons de refaire, de renouer votre confiance au président Tshisekedi de Tshilombo. Il a besoin de vous, il a besoin de vos prières, il a besoin de votre soutien, parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Je vous demanderai de renouveler votre confiance à l'IGF, à l'inspecteur général Jules Alinguete, ou à Pasala Moussala Malamo, Nabobo Tonyonso. En tout cas, ensemble, nous sommes encore plus forts.
Merci Ludovic Milambo, communicateur privé du chef de l'État. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.